De nouveau, nous rejoignons pour un autre nouvel sport. Bonsoir et bienvenue pour suivre. Sans tarder, nous voir actualité sportive locale pour commencer. Dans kite surfing, Pralinois Bertrand Lablache, il remporte deuxième prix dans compétition Rodrigue International Festival qui déroule pendant 5 jours. Sa 19e édition sa compétition qui a commencé le 24 et allait jusqu'à le 28 samouan. Bertrand s'est fini deuxième, le 24 points parmi 33 participants, après fini deux fois deuxième et quinze fois troisième dans cette la course. L'autre Cécélois qui participe de sa même compétition, dit Neddy Radigon. Neddy Lin réussit fini quatrième le classement général. Très bon résultat pour sa décaille surfeuse dans sa compétition, qui n'a décrit comment très haut niveau, avec bon participant sorti un peu partout à travers le monde, mais non pas juste dans la région. Nous procédons ici nous dans bodybuilding. Trois bodybuilders se séloignent qui payent aujourd'hui pour Sud-Afrique. Que les autres participent dans la compétition United International Fitness qui pouvait entre les 2 à 4 août. Sa trois bodybuilders, Rodney Henriette, Jolene Valentin et Ahmad Mocheri. Si les autres font bon résultat, ils ont en sens gagnent un pro card. Préparation nous trois bodybuilders pour sa compétition United International Fitness Bodybuilding qui pour faire Sud-Afrique. Il y en a avec beaucoup d'importance par les fêtes qui sont pour un sens remporte un pro card. Il fait première fois que sa trois bodybuilders participent de sa une compétition particulière. Il y en a un peu de temps depuis qu'ils ont préparé. Et Zenak Madmon Chéri, âge de 29 ans, il participe de la première compétition pour la première fois depuis 2022, l'air qui fait Mr. Seychelles. Et lui entraîne contre Jim Tropical Heat. L'entraînement est même lui. Ça, il pour son premier compétition pour sa l'année. Mon gars, une opportunité pour Sud-Afrique. Et les mêmes la compétition, une compétition internationale qui est en qualification World Championship. So, mon moment d'expectation, on va quand dire, on va assez, on va quand dire, n'agite mais aller. As a bodybuilder qui tout en on a les bichons avant de devant mon gars dire mon préparé et mon père fait mon mieux et on va aller avec un équipe pour gagner. So I will do my best when I get there and hopefully everything will turn out positive according to what mon souhaité arriver. L'autre athlète, vétéran Jolene Valentin, qui dans son 60e année, y a encore quoi qu'il y en a beaucoup pour faire de bodybuilding et pas nouveau sur la scène internationale. Définitivement, mon entraînement va bien et il a le très bien pendant les temps qui on peut préparer pour lui. Mon corps n'a pas rien qui n'empêche pas d'entraîner, mon corps, mon bien entraîne le maximum, mais mon corps, mon fait tout ce qui est nécessaire à faire. Pour les gens, il reste ce qui est nécessaire pour faire, jusqu'à l'heure, sa compétition est arrivée. Target sa compétition, mon corps, nous tous nous voulons forward pour faire plus bien que possible, qui nous capable de faire dans nos habilités. Dans nos habilités faire. Mais seulement, mon préféré, assise le ça, sa target qui moi n'a pas dit beaucoup, à cause. Vous connaissez, parfois il arrive ou elle dit quelque chose pour être capable de faire réaliser ça quelque chose. À dire, elle me laisse les corps cause pour lui-même, là-bas, il a causé, il a dit la vérité, ça qui va arriver, mais c'est le moment qu'on connaît quelque chose qui va arriver. Monsieur Valentin est en train de côté Jim Musclemine et il peut faire son bon entraînement avec un haut niveau d'intensité. Non, définitivement, mentally, moi strong. Morally, moi strong. Physically aussi, it's the same. Mon papa vous casse la tête, l'eau n'a rien, mais mon frère, si autant que possible, mon garde mon discipline, mon self-confidence, mon personal ability, il dépend de moi. Si pas moi qui fais des efforts, ou pas vous capable, sans effort, n'a pas si fort. Mais en fin de compte, mon frère, il mieux de ma part. Mon frère, si mon papa, il laisse là, il vient contrôle, ou bien il vient fardeau, mon là, il est sans numéro.
en part de ça, moi je Julien Valentin. Troisième bodybuilder cécélois qui parle participe de sa compétition Sud-Afrique, il champion Mister Regatta 2014, Rodney Henriette. Lui, il peut entraîner tous les jours côté gym Tropical Heat. Côté là, il peut travailler, le bon dernier détail, le sont les corps. La préparation, so far, c'est OK. Everything on point, on track. Rester positif, concentré. Quel travail vous faites là? Je vais faire la table raise. Pour taper un peu, tu as toutes les définitions. Bonne tirée, il n'y a pas de bonne idée. Pour gagner sa good look on stage. Pour Henriette, il n'est pas nouveau. Avec une compétition Sud-Afrique, en 2022, il remporte médaille d'or dans la catégorie Masters dans OR Tambo Night of the Champions, qui t'y fait Walter Sisulu University Mtata. La compétition, oui, la première fois qu'il a fait au niveau de l'Afrique, il est organisé par UABFF. Et bon, il y a une qualification pour ce Pioli Mono aussi. Après, il y a une qualification pour le cadre. Et pas n'importe quoi, athlète, l'expectation, c'est faire le maximum possible. Je suis le podium. Et faire mon pays fier, faire fou d'un pavillon. Pas mon dit bonheur, préparation intense. Et confrontation, all the way, jusqu'à un dernier moment là. Combien de fois passé maintenant? Le training, on sais pas ce que tous les jours, parce que fois. On a un jour off, on répète les corps. Et le jour, l'étabane, il a posé, le shooting est intensifié. Et alors, tu ne le fais pas un jour, pour mettre avec un soir, pour qu'il quitte sa momentum. Sa délégation, trois bodybuilders, cécélois, une quitte pays aujourd'hui après-midi, pour participer de sa compétition qui va commencer l'aider jusqu'à le 4 août. Dans Beach Soccer, l'équipe Cécérine retourne dans le pays après-midi sorti Mozambique. Contre la base, au Charles Wes, autre match, deuxième leg, tournoi qualification AFCON 2024. Cécérine a perdu sa match de goal N, qui fait autre gang éliminer 9-4 l'eau aggregate. Après aussi, perdu match premier leg Beach Soccer Arena des semaines passées, 7-3. Qui fait un gang éliminer 9 goals le 4. En tout, une délégation 17 timon, 12 joueurs et 5 officiers, qui fait sa déplacement pour Mozambique. Nous, l'équipe, qui rencontre les autres l'arrivée hier. Résultat, pendant nos faveurs, mais c'est moi, il est positif de l'essence par exemple, qu'on connaît avant. Bon score qui nous a perdu avant. Et là, nous amène sa team, il vient jusqu'à dernier heure pour la team qui a dit vraiment. Il me bat nous. Il peut me battre nous. Mais c'est moi, on a des loin, deux autres façons, deux autres avantages. Même si le match lui-même, c'est le score avant, quoi qu'il arrive après, quand nous voyons les autres dans le cas de goal. Ok. Encore, il vient le petit bout de maturité, peut-être, de football. Hein. Nous avons une équipe, beach soccer, une maman qui peut traîner. Mais ça, l'ensemble, encore. Peut-être qu'on a fait sa dernière petite différence. Moi, quoi, il manque sa petite guette. Peut-être si l'équipe il restait encore camarade pour le temps là, à Bouba, ça va être mon moyen. Qui bon travail là, que nous respectons avec vous là pour le prochain mois qui vient? Ok. Les nous là-bas, Mozambique, les nous jouons à match lui-même, nous guettons l'environnement. Nous avons pour dire que si nous continuons la CCL, premièrement, c'est sa bonne qualité de football qui nous peut jouer là, entre nous, nous ne pouvons pas bouger. Définitivement, nous ne pouvons pas bouger. Donc, si peut-être qu'il y a une fédération, un petit monde qui prend une décision, il y a sa possibilité pour envoyer un maman à combattre un peu plus avec les autres teams qui peuvent faire qu'ils nous, qui peuvent faire qu'ils nous. Mon cas, je prends l'autre qualité de CCL, l'autre qualité de football. Et mon garantie qu'on a beaucoup de victoires sur l'équipe CCL. Dans le basketball, PLS Hawks in assise haute place dans la finale tournoi sponsor par la compagnie Len Marine. Dans le match semi-finale, Kinzo Zordi, Hawks y fait tomber Baya, le score 66-48. Et c'est demain qu'ils ont pour consulter opposant dans la finale qui pousse dimanche. Ça, les temps, Beauvalon Heat y rencontrer Montfleury Dogs dans l'autre match semi-finale. Match qui pour commencer à partir 5h45 contre Victoria Gym. Donc voilà, le Sanot m'a va dire merci bien pour suivre nous bonne nouvelle sports et m'a va donner rendez-vous demain pour plus actualités sportives.